je ne dirais pas que l'audience est ouverte, mais vous pouvez bien sûr prendre place dans cette salle. Monsieur l'inspecteur général, Madame la bâtonnière, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers amis, Mesdames et Messieurs enfants, petits-enfants, filleuls de Jean Carbonnier, soyez les bienvenus au tribunal judiciaire de Paris et dans cette salle en particulier. Chers amis, il y a tout juste un an, ici même, à l'occasion de la remise du prix Jean Carbonnier par l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, je prenais solennellement l'engagement de baptiser cette salle d'audience « Salle du doyen Jean Carbonnier ». C'est donc avec une émotion et un immense plaisir que je vous accueille toutes et tous ce soir pour officialiser cet événement qui constitue pour ce bâtiment judiciaire contemporain la reconnaissance de la place de choix qu'occupe Jean Carbonnier au panthéon des grands juristes, légistes, magistrats et avocats de notre pays. Dans ce site moderne, que certains ont pu juger trop froid et désincarné, l'inscription sur le mur extérieur de cette salle de l'identité du doyen Jean Carbonnier rappelle sobrement qu'une autorité intellectuelle et morale a laissé sa trace auprès de nombreux juristes et s'inscrit désormais au frontispice d'un lieu où la justice est quotidiennement rendue. En préparant cette inauguration, je me suis interrogé sur ce qu'aurait pensé Jean Carbonnier d'une telle reconnaissance, tant nous savons combien il était discret et humble. Ceux qui l'ont connu de près, et ses enfants en particulier auxquels je rends hommage, nous le dirons peut-être en marge de ses discours. Il aurait certainement été sensible à ce que son œuvre, plus que son nom, soit ravivée dans un lieu de justice moderne qui accueille la première juridiction de France, et en particulier dans cette salle d'audience principalement dédiée au contentieux civil de proximité. Un prétoire où la protection du juge est recherchée sous l'autorité d'un droit vivant qui se veut proche de nos concitoyens. J'espère sincèrement que les magistrats, les greffiers, les avocats, les conciliateurs, les médiateurs et les mandataires de justice qui fréquenteront pendant de nombreuses années cette salle d'audience auront de temps en temps à l'esprit la mémoire de celui qui se voulait, je pense avant tout, une conscience intellectuelle au service du droit et de la société. Est-il nécessaire de rappeler la carrière de Jean Carbonnier, celui qui parcourut pendant près d'un siècle notre histoire et qui fut un des témoins de notre évolution de notre société à un moment charnière où la population rurale s'inclinait devant la population urbaine, où la place des femmes commençait à s'affirmer en même temps que la famille évoluait, et où la liberté sexuelle apparaissait aussi comme une revendication fondamentale des droits individuels. Il faut avoir une vision juste de l'évolution de la société pour accompagner des réformes aussi importantes et nombreuses que celles touchant le droit de la famille auxquelles Jean Carbonnier a largement contribué. Loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, depuis laquelle les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari, la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, loi du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale qui a notamment mis fin à la puissance paternelle exercée seule par le père, la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation, enfin la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce qui a notamment instauré le divorce par consentement mutuel. Au-delà de sa participation aux réformes législatives et de son activité universitaire, ce n'est pas un hasard s'il y a eu un moment Carbonnier, c'est-à-dire une séquence dans notre histoire où la pensée du juriste, du sociologue, du philosophe s'est trouvée en résonance avec son temps. Il a en effet entièrement rénové l'analyse et l'interprétation des règles juridiques que les codes avaient cristallisées pendant plus d'un siècle et demi, conférant aux juristes la réputation d'être des conservateurs, des gardiens de l'ordre établi. Jean Carbonnier, par un talent exceptionnel, a bousculé les agents de l'immobilisme. La France a toujours eu le privilège d'engendrer des esprits
des intellectuels, dirions-nous aujourd'hui, qui ont suscité des réflexions collectives, engagé des réformes et fédéré les acteurs dans le but principal de faire progresser notre société. Jean Carbonnier s'inscrit dans cette filiation qui forge aussi notre identité nationale. Son enseignement a été précieux pour beaucoup de juristes. S'il n'est plus là pour transmettre sa vision du droit, son analyse demeure toujours pertinente pour appréhender les évolutions de notre société. Et pourtant, son analyse serait précieuse pour mieux appréhender certaines évolutions auxquelles nous sommes confrontés. Que dirait-il face à l'inflation des normes ? Lui qui préconisait de légiférer avec modération et qui écrivait le 23 octobre 1967, à l'occasion d'une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques, que l'ésotérisme juridique a périodiquement engendré des phénomènes pathologiques, jadis des révoltes populaires, de nos jours un certain mépris des lois et des taux élevés d'ineffectivité de la règle. Ce qui est dit en 1967, n'est-ce pas ce que les États généraux de la justice viennent aussi récemment de dire ? Que dirait-il face à l'affirmation toujours croissante du droit européen sous toutes ses formes et à son intégration en droit interne ? Quel serait son sentiment face à l'émergence des legal tech et de la jurisprudence et de la justice prédictive ? Comment réagirait-il devant l'explosion des écritures qui affecte la bonne appréciation des litiges, lui qui préconisait la parcimonie des écrits et soutenait la justesse du verbe de la part de tous les juristes ? Adepte du droit flexible, qu'il a su théoriser avec élégance, il serait certainement attentif à ce que, face à ces constats qui révèlent une certaine densification de la règle et de l'écrit juridique et judiciaire, émerge peut-être un droit plus agile. C'est-à-dire un droit toujours vivant dans une société mondialisée en perpétuel mouvement, un droit qui privilégie les grands principes plutôt que la recherche perpétuelle du comblement du vide juridique qu'il aimait, moquait à loisir. Un droit agile qui s'adapte, qui protège, et qui assure à une société non pas la paralysie par la norme, mais le développement de la société dans un état de droit fortifié et régénéré. Cher Jean Carbonnier, continuez à nous inspirer plus encore que le souvenir de vos enseignements. Aux plus jeunes générations qui ne l'ont pas connu, il doit rester une source d'inspiration. Tout d'abord, en considérant notre fonction judiciaire comme celle d'un acteur social au cœur de la cité, un acteur qui doit être attentif à son environnement professionnel afin d'y puiser l'éveil et la curiosité. C'est cette conception spécifique du juge, tirée de la sociologie juridique, qui donne une place centrale au magistrat dans la définition de ce qu'il dénommait la juridicité. Selon le doyen, c'est le propre du juge de rendre le droit flexible, puisque le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Pour lui, le droit se doit d'être flexible pour laisser place à la singularité de chaque individu. N'est-ce pas cet humanisme qui anime chaque juge lorsqu'il porte toute son attention à l'individualisation de la norme ? C'est en tout cas un principe fondamental que nous devrons transmettre et que nous devons transmettre sans modération. N'est-ce pas d'ailleurs cette démarche intellectuelle qu'attend tout justiciable afin qu'il trouve dans chaque décision une trace d'humanité, gage fondateur de la confiance que nous devons inspirer à tous nos concitoyens. Puisse le doyen Jean Carbonnier inspirer longtemps la communauté des juristes, puisse cette inauguration témoigner de l'attachement profond et sincère que nous le portons. Je vous remercie. Président, mesdames, vous avez dit, l'œuvre de Jean Carbonnier inspire, irrigue les juristes, les professionnels et bien au-delà, largement au-delà. L'œuvre est colossale, elle est unique, elle est profondément originale et créative. Et à cette occasion, je voulais relever un hasard de calendrier que j'ai trouvé intéressant. Il y a quelques jours, quelques semaines, les personnels de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice ont baptisé l'une des salles de leurs locaux du nom de Mireille Delmas-Martyr, que je trouve est également une personnalité hors norme et extrêmement créative. Pour caractériser ce trait, j'emprunterai les mots d'un chroniqueur de la Gazette du Palais qui s'interrogeait en 1973, André Toulmont, à propos de Jean Carbonnier.
on ne sait s'il vaut mieux admirer la science souriante ou la fantaisie savante. Je trouvais que la formule montrait bien la qualité aussi d'écriture et la légèreté, la limpidité de l'écriture de Jean Carbonnier. Vous le savez, l'un des traits majeurs de l'ADN, vous le savez ou vous ne le savez pas, de notre institut d'études et de recherche, c'est la pluridisciplinarité. C'est vraiment la colonne vertébrale de tous nos travaux. Et pour caractériser cette pluridisciplinarité qui était le propre de une des caractéristiques propres de Jean Carbonnier, j'emprunte d'autres mots à Charles Del Marla, que je ne connais absolument pas, et qui présentait Jean Carbonnier en 1976 à l'Académie royale de Belgique. Et il y indiquait, vous nous dites, le droit n'est pas tout, le droit n'est pas le dieu de notre univers habité, le juridique n'est pas la forme la plus aboutie du social. Et c'est un point pour nous qui est très important. Le rôle pionnier de Jean Carbonnier en matière de sociologie du droit est une évidence. Néanmoins, je pense qu'il faut la rappeler, d'autant que cette discipline demeure dans une situation assez critique. En 2008, lors d'un colloque au Sénat, Irène Théry se désolait du désert de la sociologie du droit en France. Et malheureusement, je dois dire qu'aujourd'hui encore, à la suite de mes successeurs, je me démène avec toute l'équipe de l'Institut pour intéresser plus de sociologues aux questions de droit et de justice, pour essayer de mobiliser des chercheurs autres que des juristes sur la question. Certains d'entre eux sont là aujourd'hui, mais j'avoue que la tâche nous paraît encore assez importante, malgré cette figure tutélaire et inspirante. Irène Théry avait conduit sa thèse avec le doyen Carbonnier. Un autre ancien thésard du doyen Carbonnier, c'est Antoine Garapon, qui rapportait les propos de Jean Carbonnier lors d'un de ses derniers cours. « Vous avez choisi de vous intéresser à la sociologie du droit et vous avez raison, car c'est dans les mœurs que l'on trouve l'explication de bien des règles. Mais ne méprisez pas le droit dogmatique, c'est-à-dire le droit positif, et souvenez-vous de moi, disait-il. » C'est, je crois, ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui a été fait en 2005 également par Georges Gariou, directeur de recherche honoraire au CNRS, et Yann Aguila, conseiller d'État et avocat, qui ont tous deux, à la tête, à l'époque, d'un GIP qui s'appelait la Mission de recherche droit et justice, créé le prix de thèse Jean Carbonnier. L'accord de la famille de Jean Carbonnier avait été sollicité et obtenu, et depuis, vous nous accompagnez avec bienveillance et avec constance, et nous vous en remercions chaleureusement. Ce prix récompense de premiers travaux de recherche, généralement une thèse, menée dans le champ du droit et de la justice, quelle que soit la discipline des sciences sociales concernées. Depuis, 17 lauréats ou lauréates ont été récompensés et 5 mentions spéciales ont été décernées. La première année, le prix a été présidé par Marceau Long, vice-président du Conseil d'État, et ensuite se sont succédés de hautes personnalités. Le prix réunit un jury de 9 membres qui proviennent d'horizons variés pour justement répondre à cet état d'esprit. C'est un prix qui est attractif puisque en moyenne, sur une quinzaine d'années, chaque an, nous recevons une soixantaine de candidatures. Donc je voulais quand même le signaler. Aujourd'hui, inaugurer une salle Jean Carbonnier au tribunal judiciaire de Paris ne constitue pas simplement une consécration, mais une incitation, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à faire vivre les qualités de l'œuvre de l'homme dans la pratique quotidienne des acteurs du droit et de la justice. Je vous remercie.
peut faire un ensemble de ces deux propos. L'idée générale que j'ai, c'est qu'il ne faut pas trop de droits. Il ne faut légiférer, il ne faut juger qu'en réfléchissant beaucoup d'abord. Nous avons, je pense, trop de droits. Et lorsque j'entends dire, c'est une sorte de formule à répétition, qu'il y a quelque part, un vide juridique, et alors qu'il n'y a qu'à faire une loi pour combler ce vide, je dis, arrêtez, réfléchissez, croyez-nous qu'il y ait vraiment un vide juridique, ne croyez-nous pas que dans la multitude de lois que nous avons déjà, il n'y a pas déjà de réponse à la question que vous nous posez. Oui, je pense que nous avons plutôt trop de droits que pas assez. Est-ce qu'on pourrait recréer dans le droit français un peu plus de pluralisme juridique? Est-ce que ça serait nécessaire ou... Le pluralisme juridique, on m'a souvent parlé de pluralisme juridique. J'ai parfois, dans des écrits de sociologie juridique, peut-être aussi, que vous maniez tout à l'heure, j'ai peut-être fait l'éloge du pluralisme juridique, qui est une doctrine de sociologie. Mais souvent, le pluralisme, on le voit comme une espèce de mélange. Je prends, n'est-ce pas, un vase qui contient une certaine quantité de vin, je vais mettre de l'eau dedans réciproquement, ou je vais mélanger des liqueurs différentes. Et il va y avoir, au sortir de l'opération, il va y avoir quelque chose d'un peu mélangé, pas, et c'est ça le pluralisme, ce serait l'amalgame. Donc je pense que ce n'est pas ainsi qu'il faudrait procéder en France, et je crois, dans la mesure où il m'est arrivé, plus ou moins, de légiférer, je crois m'être inspiré de cette idée, faire le résultat de la législation, qu'il n'y ait pas une fraction de la population française qui se sente marginalisée par ce que l'on a fait. Il faut tout de même avoir égard à la diversité des réactions. Qui a donc effectué ce petit montage à partir d'une
d'une émission et qui a pensé que c'était une façon plus sensible de pouvoir percevoir le doyen Carbonnier. Merci beaucoup. Jean Foyer a déclaré lors d'une séance de la commission des lois de l'Assemblée nationale, je cite, « Sur des pensées nouveaux, cet illustre juriste sait écrire des lois classiques. Dans notre histoire législative, son nom demeure l'égal de celui de Portalis. Et c'est l'orgueil de votre rapporteur que d'avoir, étant garde des Sceaux, sollicité M. Carbonnier d'entreprendre une œuvre qui force l'admiration. Quel honneur d'être invité à contribuer à cet hommage rendu à un homme qui fut, pour la société française, un législateur au plus fort, au plus noble, c'est-à-dire mettre en œuvre une raison juridique fondée effectivement sur une pensée politique au sens le plus noble du terme. Pour les juristes, un modèle illustre dans la création du droit et dans sa transmission, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président et Madame. Et pour moi, à la rencontre d'une vie, de celle qui m'a fait chercheur, un chercheur ayant acquis, grâce à cette rencontre, la passion de la connaissance du droit et de la justice. Encore ému par les images que nous venons de voir, dans ces quelques minutes, que puis-je retenir de ce que fut Jean Carbonnier ? Le professeur de droit, dont chaque chapitre de son manuel de droit civil s'enrichit de prolongements philosophiques, politique, historique, anthropologique, sociologique. Pour Jean Carbonnier, le droit ne pouvait être étudié et transmis qu'enrichi des savoirs éclairant ce que sont les sociétés, ce qu'elles font, ce que vivent ses membres, ce à quoi ils aspirent, ceci grâce à une passion du savoir, à une curiosité insatiable pour les œuvres de l'esprit. Le législateur, celui que j'ai eu le privilège d'observer, moi, très jeune chercheur, stupéfait d'être là, à la chancellerie, dans un petit groupe de travail où le doyen Carbonnier orchestrait la rédaction des nouveaux articles du Code civil. La raison du droit s'imposait sous sa plume jusqu'à devenir pour moi éperdu d'admiration face à la grandeur qu'il donnait à son office, jusqu'à faire de ce dernier, de cet office, l'exercice de ce qu'il a lui-même défini dans son œuvre, c'est-à-dire l'exercice d'un véritable art législatif. Le sociologue du droit, qui cachait derrière une immense modestie. « Je suis un sociologue littéraire », disait-il, en plissant les yeux, expression d'une malice qui le caractérisait tant qu'il cachait derrière cette qualification, un sociologue littéraire, une grande et juste ambition, celle de considérer que le droit ne peut trouver sa grandeur que dans la sensibilité qu'il manifeste, qu'en connaissance de cause de ce qui se passe dans la société, de ce qu'elle fait, de ce à quoi elle aspire dans sa diversité. Il ne s'agissait pas de soumettre le droit, comme l'ont avancé certains de ses contempteurs. Il s'agissait de faire en sorte que le droit soit respecté, qu'il suscite l'adhésion comme condition de sa légitimité. Ne peut-on voir dans sa sociologie législative et dans l'usage qu'il en a fait, l'idée que la dogmatique doit se défier du caractère indiscutable qui est attribué à ce qui vient d'en haut ? Ne s'agit-il pas là d'une extraordinaire anticipation de ces interrogations contemporaines conduisant à se tourner aujourd'hui, dans la production de la loi, vers la recherche de formes de démocratie participative et délibérative ? Jean Carbonnier, pour porter haut le droit, savait qu'il fallait regarder en bas, dans les profondeurs de cette société qui irrigue le droit en même temps qu'elle le façonne, retrouvant ainsi d'une certaine façon l'esprit de la coutume, tel que l'a magistralement défini, par exemple, Paolo Grossi. Je cite, si vous permettez. « La coutume naît d'en bas des choses de la terre, et elle ne se sépare pas de la terre où elle rampe comme un serpent, en totale adhésion, de telle sorte qu'elle reflète fidèlement la réalité locale dans ses structures géologiques, agronomiques, économiques, ethniques. Elle naît du particulier, même si par la suite elle peut s'étendre et elle porte en elle les traces inévitables de la réalité particulière qu'elle entend organiser juridiquement. » En ayant à l'esprit ces conceptions de Jean Carbonnier, je dis souvent à mes jeunes et brillants collègues qui contribuent à promouvoir internationalement une recherche française ambitieuse sur le droit et la justice, et dont le nouvel Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice est un superbe vecteur, je leur dis souvent à ces jeunes collègues,
ne dédaignez pas ce que vous considérez comme une sociologie ancillaire. En pratiquant la sociologie au service du droit, conformément à son devoir de juriste, Jean Carbonnier savait concevoir en même temps cette sociologie ouverte pour les autres, pour ainsi autoriser, favoriser le développement d'un savoir général de sciences sociales sur le droit et la justice, dont la recherche française s'est emparée à sa suite, se confrontant avec bonheur à la recherche du sens des enjeux de la société auxquels la société doit faire face et pour lesquels, donc, la connaissance desquels, le droit constitue un exceptionnel révélateur. En cela, Jean Carbonnier fut un maître pour nous, au sens le plus admirable, celui qui donne et transmet, celui qui permet. Jean Carbonnier était un homme d'écoute, un homme d'érudition, une érudition qu'il partageait avec gourmandise, qu'il pratiquait généreusement avec aussi un humour exceptionnel. En préparant ce modeste hommage, me sont revenus à l'esprit ces considérations de Roland Barthes, lequel, dans une période historique qui l'incitait, comme l'avait fait Albert Camus, à déplorer la violence des affrontements, Roland Barthes faisait l'éloge du neutre, d'un neutre qui se défait de l'usage abusif d'affirmations de l'ordre de la vérité dogmatique et oppose un refus, je cite, des endurcissements de la foi et de la certitude. Jean Carbonnier considérait, je cite, comme il l'a dit dans ce magnifique film dont vous avez donné des extraits, « Vous ne légiférez qu'en tremblant comme vous ne pouvez juger qu'en tremblant. Vous ne légiférez qu'en tremblant comme vous ne pouvez juger qu'en tremblant. Non pas en raison d'une quelconque peur, mais par humilité, en ayant une vive conscience de la complexité des hommes et des sociétés dont la loi et ses mises en œuvre doivent tenir compte. Nul doute que cette salle d'audience doyen Jean Carbonnier sera investie en étant baignée d'une telle humanité dans la quotidienneté de l'activité à laquelle elle est consacrée, l'exercice de la fonction de justice, la mise en œuvre d'un droit dont Jean Carbonnier disait comme une mise en garde valant tellement pour nos sociétés actuelles que ce droit n'était là, je cite, que pour empêcher le monde de se détruire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce témoignage, fruit d'une proximité avec Jean Carbonnier, comme si, en quelque sorte, il était un peu avec vous et avec nous ce soir. Nous avons voulu cette inauguration sobre, avec simplement trois prises de parole, et nous vous proposons de nous retrouver à l'extérieur de cette salle, au pied de ce mur qui porte désormais l'identité reconnue du doyen Jean Carbonnier, afin qu'on puisse partager un petit moment d'amitié autour d'un verre et peut-être d'échanger avec vous, professeur, et aussi avec les proches de Jean Carbonnier qui nous font vraiment l'amitié d'être avec nous ce soir. Cette maison est aussi un peu la vôtre ce soir, indirectement à travers ce baptême. Merci encore à tous pour votre présence et on se retrouve juste à l'extérieur. Parce que Valérie Sagan a eu la bonne idée de venir avec le recueil des différents prix Jean Carbonnier, où vous verrez qu'ainsi la mission recherche droit et justice a la préoccupation d'accompagner l'œuvre du doyen à travers des recherches contemporaines sur la sociologie et le droit.